atterri là. Cool. C'est tout bénef à vrai dire, hein. Terminé. Terminé, terminé. Rentable même. Hermaeus Mora. On n'est pas prêt de le rencontrer encore. Donc, on va rapporter la fiole blanche tout de suite. Allez, à Vendôme. Ouais, j'ai bien noté le lieu de la grotte du coup pour les mots de dragon. Je sais vraiment pas comment débute la quête. Je pense qu'il faudrait que je me rapproche d'Elgen du coup, logiquement. La quête principale. Parce que pour l'instant, je n'ai aucune notion de quelconque histoire de dragon ou quoi. C'est cool en vrai, ça change un peu, je commence tel un. J'ai échoué quoi là? Je vous apprécie. Tenez, prenez ça, je pense que ça vous plaira. Bah merci, mais il se passe beaucoup trop de trucs là. Attends, qu'est-ce qui vient d'échouer? Je devais livrer une lettre, quelque chose? Cela dit, il est bien trop tard pour aller à la fiole blanche directement, donc tiens, lui c'est le raciste. Ravi de vous revoir. Pourquoi tu me détestes? Ce sont des parasites. Je sais que le haut roi les a conviés ici, mais il n'a demandé son avis à personne, moi inclus. Est-ce que c'est vraiment une tête à être un espion? Ça ne m'étonnerait pas. Ils ne se sont pas battus à nos côtés pour préserver la liberté de bord de ciel. Les Talmor sont des elfes aussi. Je devrais peut-être rassembler des hommes et faire quelques prisonniers pour les interroger. Il est barjot, lui. À savoir que je lui ai déjà pété la gueule. En off. Vous l'avez pas vu, mais je lui ai déjà mis une sacrée raclée à lui. Je n'ai rien entendu du tout. Allez, taverne. Et on va patienter un petit peu jusqu'au jour. Entrez donc. Nous avons des plats chauds, des boissons chaudes et des lits douillets. Méfiez-vous, vous pourriez croiser le boucher à n'importe quel coin de rue. Le boucher. En tant que qu'elfe noir, je sais pas si je rejoins la rébellion Sombrage. Même si, d'un point de vue purement politique, je suis totalement pour, hein, mais... De mon côté, vous avouerez que... Qu'en tant qu'elfe noir, ça ferait pas vraiment de sens. Ce que je viens d'entendre, vous êtes pour... Que... à l'intervention. L'intervention au bon moment. Oui, non, je suis pour la rébellion Sombrage, Mathias. Mais... Mais je suis un elfe noir. Ah. Et je... Bon, les gens parlent de meurtre ici, ils ont entendu le bousser. Qui est-il? C'est épouvantable, on dirait qu'un tueur court en liberté à Vendôme. A ma connaissance, il a fait 3 victimes. Mais il pourrait y en avoir davantage qui n'ont pas encore été retrouvées. Elles étaient toutes de jolies jeunes femmes. Espérons que les gardes trouveront ce démon rapidement et le présenteront à la hache du bourreau. D'accord, ça ne m'a pas tenté de lancer de quatrième du tout, mais en tout cas, calme. Déjà. C'est un vieil adieu de marin. Première notion de ce qui se passe ici. Alors, hop, on va attendre un petit peu tant que tout le monde se réveille. Ouais, 8h du mat, c'est bien. Qui est cette femme chauve? Puis-je faire quelque chose pour vous? Mais rien ne va, madame, rien ne va. Cette robe, beaucoup trop criarde. Bonjour. Vos yeux, cyborg, vous venez de Fallout, c'est ça? Le 4?
Et cette coupe, cela dit, cette coupe est la seule chose qui m'évoque le charisme, c'est vous. Le reste, cette épée bas de gamme, ce... Bon, toujours est-il que... Arrêtez de me fixer comme ça. J'ai déjà pris sa quête, il faut que je livre un bouquin à l'Académie des Bardes. Très bien. Salut Thorsten. La ferme des Bas de Givre, à l'extérieur de la ville. Je suis marin à bord du Mistral. Honnête, mais un peu ennuyeux. Il y a du monde, hein. Pendant un certain temps. Mon amie est morte. Rien ne sera plus jamais pareil sans elle. Mais c'est quoi là? Je vais voir une personne morte en sortant. Tiens, des sèves de labran endormis, en vérité, quoi qu'on a une foule régène quand même. Bon, c'est que 37 balles, non, ça vaut pas le coup de la vendre. Bon, allez, on garde. Et ne cassez rien, surtout. Oui, bien sûr. Vous feriez sans doute bien de vous en aller. Tu ferais sans doute bien d'arrêter de me marcher sur le pied. Oula, 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 oula. Stabilisation. Je vous cherchais. J'ai quelque chose à vous remettre. En main propre. Voyons cela. Ah, une lettre du Yard. Oh. Grimpe dans l'échelle sociale, n'est-ce pas? Je crois que c'est bon. Je dois y aller. Cimer, Albert. Lettre du Yard, Siger, Dépervine. Joris Lebon, permettez-moi de me présenter. Je suis Siger, j'ai l'honneur de gouverner Dépervine. Le récit de vos exploits en bande de ciel est parvenu jusqu'à moi. Si cela vous intéresse, je vous propose de devenir montagne directement dans la châtellerie, n'est-ce pas? Vous avez donc à venir me voir pour que nous en discutions lors de votre prochaine visite à Dépervine. Outre l'honneur de leur titre, mes tannes ont droit à un huscarl personnel aussi. Je souhaite généralement vous entretenir en privé au sujet d'une parcelle de terrain que vous seriez en mesure d'acheter si vos services à mon égard me semblaient utiles. Dans l'attente de vous rencontrer personnellement, ok, très bien, on monte à l'échelle sociale. Intéressant. Bah, c'est le début d'Earthfire. Bon, toutefois, au niveau d'Earthfire, on n'a pas encore les moyens. Non, on n'y est pas encore. Lui, je le connais un peu. Wolfrida est peut-être un peu grinçante, mais elle paie bien. Mais elle paie bien. Que personne de la ville ne peut me voir ici. J'ai des ralentissements sur le jeu. Pas trop d'où ça vient. Là. Y a pas d'annonce. Pas d'annonce. Jolie robe. Vous êtes mage ou quelque chose comme ça? Exactement. Je suis Maz. Maz, je suis. Vous voulez vous protéger? Faut pas me lancer sur ce sujet. Je veux vendre des choses. Je veux vendre l'espadon elfique de... Voilà, 100 balles. Je vais te vendre ça, ça servirait strictement à rien, parce que 10 euros, non. De l'ébonite raffinée, 112 balles, mais ça me va m'être très utile pour la suite, je garde. Le tanto à 19 balles, actuellement, j'en ai pas tant besoin. Et je suis à 2700. Donc, non. Ce sera tout, merci. Que vous ayez besoin d'une armure ou d'une nouvelle arme, vous pouvez venir me voir. C'est elle. Non, elle, c'est une elfe normale. C'est je vous le dis, j'ai entendu. Je ne marchande pas. C'est une elfe, une haute elfe, ça. Oui, c'est une haute elfe. Ah oui, mais d'accord. Ah ouais, mais c'est vrai que les nordiques, je pense qu'ils détestent encore plus les hauts elfes que les elfes noirs. Ah, toi, t'es un elfe noir. Si vous avez besoin de quelque chose, venez me voir. J'ai tout ce qu'il vous faut, en toute discrétion. Et tu te procures où tes marchandises? D'un peu partout, dès que j'en trouve. Si vous êtes du genre à vous inquiéter de la provenance des choses, je vous conseille de passer votre chemin. Jetez un œil. Et ils vendent quoi? De la bouffe, d'accord, de la bouffe. La bouffe, de la viande, c'est un boucher. N'oubliez pas de vous arrêter chez Sabri, dans le quartier gris. Et c'est, ok, un elfe noir qui vit dans le quartier gris, donc aussi maltraité que... Vous cherchez. Si ce n'est pas le cas, dites-le-moi, j'en ai peut-être en réserve. Non mais ça va, je connais les lieux. Salut Quintus. Mon maître est parfois un peu dur, mais j'ai beaucoup appris à ses côtés. Mais qu'est-ce que tu vends, toi? Vous êtes donc alchimiste. Non, pas vraiment. Par contre, qu'est-ce qu'il vaut pour toi?
Celle de Gif, ça je garde. Potion de vigueur améliorée, je garde. Ça vaut pas vraiment le coup, le commerce avec lui. Je vais voir ton maître. Oh, il m'attend. Il sait, il voit dans mes yeux que j'ai ce qu'il veut. L'alchimie, c'est simple. Sauf pour les simples d'esprit. Si c'est votre cas, je ne peux rien pour vous. Bon, ce n'est pas la peine de m'insulter. C'est la fiole, mais elle est brisée. Ça correspond en tout point à la fiole dont parlent les livres. Mais impossible d'en être certain, puisqu'elle ne peut plus contenir de liquide. Mais comment avez-vous pu l'endommager ? Non, mais... Ça m'apprendra à ne pas être allé la chercher moi-même. Elle était déjà cassée ! Elle était comme ça ! Oui, j'imagine. Je ne pense pas que vous ayez suffisamment de connaissances pour endommager cette fiole, même si vous le vouliez. Ah, il voulait juste m'accuser. Ça règle le problème. Maintenant, excusez-moi, je ne suis pas vraiment d'humeur à divertir des invités. Je vous laisse trouver la sortie. Tenez, voilà pour vous. Quintus, calme-le, Quintus, parce que il faut qu'il se détende. Je veux vous remercier pour votre aide. Mon maître n'est pas toujours d'humeur facile. Ça, c'est clair. Qu'est-ce qui se passe entre nous, Quintus, là, tout de suite? Pardon, il m'a donné 5 euros, donc... Vous m'envoyez désolé. Bien que la fiole soit endommagée, je pense que vos efforts méritent quand même une récompense. Maintenant, merci. Si vous voulez bien m'excuser, je vais m'occuper de Nurelion. Je vais tout faire pour qu'il souffre le moins possible. Et alors, j'en tiens. D'accord, oui, c'est sûr que un peu plus que ça... Ouais, ah oui, d'accord, il m'a saucé. Ah oui, mais il a dû me donner 500 balles ou un truc comme ça. Le maître est parfois un peu dur, mais j'ai beaucoup appris à ses côtés. Ouais, bon, bah écoute, je te laisse avec, avec ton maître. Très bien, très bien. Bah, écoutez... La session tourne nickel. À Vendôme, ça lag un peu en ce moment. Je comprends pas trop pourquoi. Au départ, c'était fluide. Bon, on va faire du charbon avec un seau. Oh, on n'a pas besoin de cliquer sur OK pour la forge. Attention. On va voir. Faire du corindon. On peut faire des lingots d'acier avec lingots de fer et du charbon. Intéressant de faire du charbon. On peut faire des lingots d'or avec de l'argent et tout. Wow. Okay. Mais je pense pas qu'on puisse faire l'inverse, donc faut faire attention. Pourquoi ça lag dans Vendôme? Qu'est-ce qu'il y a dans Vendôme? Plus un pas. Ne bannissez pas Twitch. Que s'est-il passé, j'ai vu des fesses à l'air par ce temps? Une autre fille assassinée, c'est Susanna du camp des Lattres. Elle m'a servi une chope il y a quelques jours. Je ne peux pas dire que je la connaissais. D'accord, mais comment elle est morte? Parce que nue dehors par ce temps, ça m'a tout l'air d'être un viol. Comme les autres. Elle a été poignardée puis démembrée. C'est comme si un animal l'avait dévorée. Mais c'est l'œuvre d'une lame. Mais c'est pas la première fois. Susanna est la troisième victime. C'est toujours pareil. Une jeune fille tuée en pleine nuit. Ah, c'est craignos, Vendôme. C'est craignos de ouf, ici. Hein. Ouais, c'est craignos de ouf. C'est les gardes. Où est la garde? Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, c'est la guerre. Nous avons assez de soldats pour patrouiller dans les rues. Alors impossible de fouiller chaque recoin. Non mais, attends. Et il y a une différence entre fouiller chaque recoin et laisser les gens se faire poignarder à mort, violer et jeter dans la neige. D'accord? On peut quand même veiller sur les rues. Surtout que là, c'est le cimetière, je sais pas. Est-ce que, du coup, quelqu'un doit faire quelque chose. Si vous voulez nous aider, demandez à ces idiots s'ils ont vu quelque chose d'utile. Je vais examiner le corps avant que les rats n'emportent tout. Look. Bon, Twitch, elle est sapée et elle est morte. Donc Twitch, ça va. On va interroger les témoins. Calixto, tiens. La mort est toujours une chose tragique. Est-ce que tu as vu ce qu'il s'est passé? Non, désolé. Il me semble avoir vu un homme s'enfuir, mais je ne pourrais pas dire à quoi il ressemblait. Un homme.
C'est tout ce que je demande. Et c'est sur une tombe. Mode glauque. Silda, toi. Encore un. Terrible. Oui, bon, tu as l'air bien au courant de ce qui se passe ici. Dis-moi tout. J'ai accouru après avoir entendu un cri. Mais elle était déjà... comme ça, à mon arrivée. Mmh. Prêtresse. La mort est elle garde. C'est bien dommage. Est-ce que tu as vu ce qu'il s'est passé ? Non, désolé. En revanche, j'ai remarqué que le responsable n'avait pas touché à sa bourse. Donc, il n'en avait pas après son argent. Je vais continuer à préparer le corps, si vous voulez bien m'excuser. Passez à mon bazar des curiosités à l'occasion. Je vous promets que vous y verrez des merveilles. Manquer de respect à la loi, c'est me manquer de respect à moi. Détends-toi, détends-toi. Mais vraiment, détends-toi. J'ai parlé aux témoins. C'est toujours la même chose. Personne n'a rien vu d'utile. C'est vrai. Cette vermine s'en est encore sortie. Je pense qu'il n'y a plus que ça. Si je peux enquêter, je peux devenir détective. Écoutez, si vous pensez pouvoir faire mieux qu'une légion de gardes, je vous en prie. Mais vous devez d'abord voir le chambellan au château. On ne peut pas laisser n'importe qui prétendre qu'il enquête de manière officielle. S'il est d'accord, nous pourrons parler. Étant elfe noir, bon, on va voir s'il accepte. Bah écoutez, on vient de débuter une nouvelle quête sympa, c'est du sang sur la glace, des meurtres à Vendôme. Incroyable. On était en train de faire quoi? On avait rendu la quête de la fiole, donc maintenant en soi, on a juste à retourner à l'académie, quoi, pour ou même faire la quête des livres volés. Puisque du coup, ça c'était bah, impeccable, ouais, c'était depuis Vendôme qu'on voulait partir, donc c'est top. Ce qu'on va faire, c'est que du coup, je vais faire une petite pause là, je vais couper le stream. Et on pourra se lancer directement dans la quête donc des meurtres de Vendôme. Et régler le problème de cette femme qui m'interrompt. Car s'il n'y a plus de bousser, il n'y a plus d'interruption. Donc prochaine étape, eh bien, nous irons voir le chambellan donc, dans Vendôme pour tout simplement se présenter en tant, non en tant que Maze, mais en tant que détective. Zoris le beau, détective privé. Hasta luego, ciao, ciao.